Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de comédie. Je vais vous présenter un jeune comédien congolais qui s'appelle Yalousbi, bourré de talent, et qui réside plus précisément à Brazzaville. Tout d'abord, sans aller plus loin, je vais vous laisser apprécier ce qu'il a joué avec son groupe à Brazzaville. Ah, c'est bien ça. Quand mes légumes poussent bien, si je dois avoir un peu d'argent, j'irai un peu mes affaires. Mais d'où vient cette vilaine odeur? Mais qu'est-ce que je vois là encore? Merde. Encore de matière fécale? Donc finalement mon jardin est devenu un WC public? Ok. Je suis contraint d'enlever ça. Mais le jour où je trouverai l'auteur de ces faits, je le jure, je vais les tuer. Aïe, aïe, aïe. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au ventre. Mal au ventre? Je dois avoir de la diarrhée. Non, man, là, tu déconnes. Chaque fois qu'on arrive ici, tu as toujours envie de déféquer. Trouve pas qu'il y a des jardins ici. Trouve-toi un autre endroit. Man, fais preuve de moralité. La moralité au Congo? Ah! Tu me précèdes, moi je te Non, man, arrête tes histoires, trouve-toi un autre endroit. Tiens, tiens. Monsieur? Que fais-tu là? Pardonnez-moi, monsieur. Je dis, que fais-tu là? Pardonnez-moi, monsieur. Donc, c'est toi qui viens souvent chier ici? Non, monsieur, c'est juste pour la première fois. C'est pas pour la première fois, jeune homme, d'entendre cette phrase. Ok. Finis de faire ton travail et puis tu te casses. Moi, j'ai besoin juste de tes matières fécales. Quoi? Pour en faire? Je dis, finis de faire ton travail, tu te casses, tu t'en vas. Tu fous le compte ici, moi, j'ai besoin de tes matières fécales. Nagana, tu viens là! Joe, je crois que c'est à prendre. Qu'est-ce que j'allais faire avec tes matières fécales? Ah. Sorcier! 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 Oh, loose, loose, loose! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quoi, t'es pour ce feu ou quoi? Attache-moi la ceinture. Ah, ah, et puis ça te dégage quoi? Laisse-moi. Et puis tu sens l'odeur de... Hein? C'est le vieux du jardin là. Il a fait quoi? Il m'a surpris en flagrant délit. Mais le vieux là, c'est un sorcier. Hein? Non, il n'est pas sorcier. Le vrai sorcier, c'est toi-même. C'est un sorcier. C'est un sorcier, le vieux là. Tu sais quoi? Quoi? Ils ne m'en ont pas empêché. Mais il n'aurait que besoin de mon caca. Quoi? Besoin de ton caca pour enfant, quoi? Voilà pourquoi tu me vois dans cet état. Je t'avais défendu, non? Je t'ai bien dit de ne pas te fêter là-bas. Tu ne m'as pas écouté. Voilà, tu as eu ton sort. Mais dans tout ça, le vieux là, c'est un sorcier. Non, il n'est pas sorcier. Le vrai sorcier, c'est toi-même. Il n'est pas sorcier. Non, je le connais. Là. Salut. 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 Mais que faites-vous là?
sent du caca? Non, il n'y a rien. Vous pouvez passer. Il y a quelque chose. Regarde dans tes mains. Tu as du caca. Tu devais fou, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Quoi? Voudriez-vous qu'on me tue ou quoi? Te tuer? Par rapport à quoi? Ah, attendez, je vais vous expliquer. Mm-hmm. Mon ami est allé chier dans un jardin comme d'habitude. Et malheureusement, aujourd'hui, le propriétaire du jardin l'a trouvé en flagrant délit. Il lui a demandé de partir. Il lui a dit qu'il avait juste besoin de ses matières fécales. Et voilà pourquoi il a ramassé ça avec les mains et il est parti. Ah bon? Ah, mourir. Même si on est en Afrique, c'est vrai qu'on est en Afrique. Mm-hmm. Comment peux-tu être un civique jusqu'à ce point-là? C'est pas bien ce que tu fais là? Voilà, t'as failli perdre ta vie bêtement là? Voilà, c'est aussi. Voilà, c'est peut-être un sorcier. Mais si tu fais ce caca, le vrai sorcier, c'est lui-même. Hein? Frère, faut voir Maëla. Va Maëla. Okay. Faut voir Maëla. Continue là. Va Maëla.